Ce programme vous est vendu par Machinima. Go. Rêve éblouissant d'amoureux. Monde mercenaire et ambitieux, tout se confond aveuglément dans la folie et dans le sang. Puissance et gloire dans l'eau trouble d'un regard. Autour de châteaux ballants, puissance et gloire, étrangers brûlant par coups, qui tôt ou tard finit sur un dernier mot d'amour. Portée par la tourmente, douce, romantique ou intrigante, nul ne sait rien de vos secrets, de vos désirs, de vos regrets. Puissance et gloire. Autour de châteaux ballants, puissance et gloire, aux fantasmes éternels, sous la lumière illusoire d'un soleil artificiel. Nous. Regardez la vidéo, vous comprendrez. C'est noté. Rétro Satanas, show. Coucou mes chéris, allô c'est Barbichette, c'est Fala pareil. Bienvenue dans ce déjà 30e numéro du Rétro Satanas Gaming Show, la seule et unique émission consacrée au full assisted Lorune. Alors, on termine avec un premier Fal que l'on ne peut débloquer qu'à deux joueurs, d'où la présence amicalement professionnelle et passionnément carriériste d'Elmo à mes côtés. Donc, la technique consiste à se cacher dans le coin supérieur de l'écran, ouais, sous le U, afin d'éviter les ennemis ainsi que leurs tirs, ainsi, tandis que l'autre sert d'appât. Toi, tu peux poser la manette et admirer le spectacle. Attends, je te vous niaise pas, même que j'ai filmé la chose. Elmo, il a pris les bico bleus puis le rose. C'est pour barber. Voilà, une fois que tu t'es placé sous la barre de vie, hop, tu peux lâcher la manette. T'inquiète, je gère ça mes mères.
j'ai modestement nommé ce fameux Steven Spot. Cependant, là, j'ai trop pas envie d'expliquer pourquoi, la définition et le contexte se suffisant à eux-mêmes. Par contre, je peux t'assurer que sans la recherche d'un full assisté de l'horreur, ce jeu n'apporte aucun amusement. Sérieux, jamais je ne m'étais autant ennuyé dans un schmuck vertical. Pire que reste, bon, ça existe en fait. Ce jeu me saoule. Elmo, on passe à Dark Souls. Au fond, la pratique du Fall ne risque-t-elle pas, à force de dénaturer le gameplay originel des jeux ciblés, je te cause de gommer tout ce qui fait leur intérêt spécifique, hein? Dark Souls, par exemple, c'est un RPG action d'obligation pour les connaisseurs en amatrice. De gros skills, soit. Or, si t'enlèves la frustration qui relève du déséquilibre constant entre la surpuissance outrancière des boss et notre fragile carcasse, je suis pas sûr d'y gagner au change. En effet, prends le combat contre Sif l'Écorché. Lors de ta première rencontre, il est invincible et son attaque imparable. Enfin, comme qui dirait Didier Migaud. Oui, encore que non. Car il existe une toute petite zone, paradoxalement à découvert, où tu ne prends aucun dégât. Après ma barre, ça semble correct. Plus on qu'une estie de peur, t'as le temps de placer des emotes d'obadès, la famille, tout ça si ça. Mais bon, ça tue le jeu. Du coup, il est temps de revenir à un fal davantage technique et ludique. Parmi les nombreux clones de Super Mario Kart en la possession d'Elmo, je t'ai pas dégoté du relou. MythMakers, Super Kart GP, te vous propose si peu de contenu, autant en termes de circuit que de conduite surtout, que je me devais de le faller avant de le revendre plein pot, d'échappement, à un fils de revendeur. Élaboré en laboratoire sous l'autorité d'Ether et Nilien, la course en mode rétro-vaseux consiste à utiliser expressément la caméra dite du rétroviseur. De fait, vous devrez connaître les virages par cœur, d'autant que la physique du soft est plus que douteuse. Sous certains chocs, le kart n'est plus contrôlable. Mais c'est véritablement la sensation de piloter une baudruche motorisée qui rend la tâche fastidieuse. Bref, dépasser les concurrents en conduisant à l'aveugle, ça rajoute du fun à un titre qui n'en possède aucun. Simplement deux secondes. Là, je voudrais m'adresser solennellement à la maman de Kevin. Bon, n'hésite pas à acheter des jeux de merde aux enfants, ça les obligera à réfléchir un peu. Ouais, à inventer le jeu dans le jeu, t'as vu. Alors ok, sur le coup, ils t'enverront caguer. Mais ne vous inquiétez pas, maman, plus tard ils vous remercieront. Puis tu sais faire semblant de chercher un emploi, faire exprès de rater un entretien d'embauche pour un job précaire. Bon, ça demande des ressources mentales insoupçonnées. Y'a pas d'ont à pas être connu. Sur ce, à plus mes puces. Oh, je suis nul. Mais de toute façon, ce serait pas mieux avec mes lunettes, alors? Open up your room very slow. Slug, see it. Can't wait. Comment écrivez-vous ça?